Dans cette vidéo, je vais te montrer comment changer la langue du clavier sur Windows. Alors, ce que tu vas faire maintenant, tout simplement, c'est te rendre directement dans tes paramètres. Alors, dans tes paramètres, tu vas cliquer sur la rubrique E et langue, tout simplement. Alors, tu cliques dessus. Alors, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est partir sur l'option langue, tout simplement. Par la suite, vous allez tout simplement ajouter déjà la langue que vous souhaitez ajouter à votre clavier ici. Alors, si vous voulez ajouter une langue, vous allez tout simplement cliquer sur ajouter une langue. Alors, si vous voulez par exemple ajouter l'anglais, vous allez tout simplement entrer ici anglais. Ou si vous souhaitez ajouter le français, vous allez cliquer et entrer français. Alors, vous allez tout simplement choisir le français que vous souhaitez ajouter. Vous allez cliquer dessus et là, vous allez cliquer sur suivant. OK. Et là, vous allez tout simplement taper sur les deux cases installer le module linguistique et écrit manuscrit tout simplement. Et là, vous allez cliquer sur installer. Alors, je ne vais pas l'installer parce que j'ai déjà le français installé dans ma machine. Alors, je clique sur annuler et là, j'ai donc mes langues que j'ai déjà installées. Alors, maintenant, pour donc changer la langue de notre clavier, c'est très simple. Vous allez venir sur clavier, tout simplement. Et là, vous allez donc ici choisir la langue de votre clavier, tout simplement. Alors, vous allez tout simplement cliquer sur la langue que vous souhaitez ajouter à votre clavier. Si je prends, par exemple, français, tout simplement, j'aurais donc changé donc la langue de mon clavier. Alors, par ailleurs, si vous ne voulez pas passer par toutes ces étapes-ci, tout simplement, déjà, ce qui est très primordial ici, c'est de tout simplement déjà ajouter la langue dans un premier temps, ok? Lorsque vous avez déjà ajouté la langue, vous pouvez donc utiliser la deuxième technique que je vais vous montrer maintenant. Alors, il y a un raccourci, donc, pour pouvoir changer la langue de votre clavier, qui est de tout simplement appuyer de manière simultanée sur le bouton démarrer et aussi sur la barre d'espace, tout simplement. Alors, je suis donc en train d'appuyer le bouton menu ou encore démarrer sur mon clavier et j'appuie sur la barre d'espace. Alors, lorsque j'appuie sur la barre d'espace, j'ai la possibilité ici de choisir entre toutes les langues que j'ai déjà installées sur mon PC, ok, comme vous pouvez constater. Alors, si je tape sur français France, tout simplement, j'aurais donc changé la langue de mon clavier. Alors, je peux faire de même, je peux prendre ici anglais, tout simplement, et je serai donc en train de changer la langue de mon clavier. Alors, comme j'ai dit ici, ce qui est très primordial, c'est de changer ou encore ajouter une langue sur votre PC qui va être directement appliquée sur votre clavier. Alors, lorsque vous aurez ajouté donc la langue ici, vous aurez donc la possibilité de changer facilement la langue de votre clavier. C'est aussi simple que ça.